Alors, donc Pina, porte-parole des soulèvements de la Terre. Donc je voulais aussi remercier toutes les personnes autour de cette table, parce que quand on a eu cette proposition de mobilisation, en fait, pour nous, c'était une évidence de rejoindre tout ce temps-là, de venir soutenir toutes les organisations et les associations qui luttent depuis 30 ans dans cette vallée. Et c'était un honneur de pouvoir faire de ce week-end-là la clôture de la saison 6 des soulèvements de la Terre. Et donc c'est 11 organisations dont on fait partie qui organisent ce week-end. Et en fait, s'il y a quelque chose qui reste, c'est que au fil des mois, on a vraiment eu le sentiment de faire partie d'une grande famille. Et en fait, ça révèle à quel point, quand on lutte contre des projets écocidaires, quand on lutte pour défendre le vivant, en fait, on fait partie de la même famille. Donc, c'était vraiment hyper important pour nous aussi de lutter avec les Italiens, de montrer qu'en fait, quand il s'agit de défendre l'eau, de défendre des terres menacées, c'est des luttes internationales. Il n'y a pas de frontières. Et voilà. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir vous faire ressentir et transparaître à quel point il y a une solidarité et une union de toutes les organisations et associations présentes ici. Et peu importe ce qui se passera, on restera unis, solidaires et vraiment déterminés pour l'abandon de ce projet. On peut répondre à quelques questions et encore pour rappel, il y aura pour toutes les personnes qui sont derrière, qui n'ont pas vraiment entendu, soyez pas frustrés, en fait il va y avoir des prises de parole des 11 organisations avant le départ de la manif. C'est quoi le départ de la manif ? On va partir du camp et donc je n'ai pas l'heure exacte parce qu'il va y avoir des briefs qui vont être faits. Et voilà, donc ça sera un départ du camp. En voiture ou à pied ? Bah vous aurez l'information par là tout à l'heure par les briefs. Comment vous réagissez actuellement à la décision de Monsieur Darmanin de annuler le mouvement de la Terre, le mouvement soulèvement de la Terre. En fait, c'est quand même assez scandaleux, drôle que l'État et le gouvernement décident de s'attaquer à un mouvement, de s'attaquer à des militants écologistes, à des paysans, à des syndicats, alors qu'en fait, aujourd'hui, il faudrait vraiment s'attaquer à toutes les industries, tous ceux qui détruisent le vivant et qui sont juste en train de nous faire crever de chaud, cramer. Donc voilà, c'est la réponse, c'est juste... on s'attaque à qui, en fait? Là, on est en train de s'attaquer à des personnes, à des citoyens. Donc, dissoudre ça, bah, écoutez, enfin, il peut essayer, mais je pense que c'est impossible. Je pense que la dame journaliste qui nous a posé la question, c'est comment on a fait, comment on fait pour éviter la violence, comment on a fait pour filtrer le black bloc. On n'a rien filtré du tout. Et la violence, on l'évite tout le temps. La violence, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé sur la manifestation Castres, Toulouse et soulèvement de la Terre, eh ben on a filtré personne et il n'y a pas eu de violence. La violence, elle est faite quand on interdit aux gens de manifester librement. Elle est là, la violence. Bravo! Voilà, on va... Alors moi, je ne sais pas s'il y a eu des annonces derrière. Tout le monde est d'accord.
demander après. Plutôt assis, hein. Daniel, assis, salut. Assis, c'est bien. Assis, c'est bien. Bien, bonjour à tous. Bienvenue en Maurienne, car aujourd'hui c'est un moment historique dans cette vallée. Tout cela a commencé finalement il n'y a pas si longtemps en tant que manifestation importante contre le Lyon-Turin. En fait, au mois de février, Vivre et Agir en Maurienne et quelques notables italiens, nous nous sommes déplacés aux interludes des soulèvements de la terre. Car il nous apparaissait important que ce projet, qui en fait tout le temps n'était que cantonné à une vallée, finalement prenne une dimension nationale et internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, visiblement, on a gagné notre pari. Puisque d'abord, il y a énormément de monde qui est venu de toute la France, de l'Italie, voire même de Suisse, tout simplement parce que ce jour-là, aux interludes, on a réussi à convaincre les soulèvements de la terre d'être avec nous dans ce combat. Il y a d'autres combats qui ont été menés ailleurs en France, avant nous. Nous sommes... il y a des problèmes de... nous sommes en quelque sorte bien dans les soulèvements de la terre avec 11 autres organisations pour dire véritablement que non, ce projet ferroviaire qu'est le Lyon-Turin, ce deuxième Lyon-Turin ne doit pas avoir lieu parce qu'il a des conséquences graves sur l'environnement puisque Vivre et Agir en Maurienne défend depuis plus de 40 ans ce qu'on appelle les biens communs, l'eau, l'air et la terre. Et aujourd'hui, je suis vraiment... très content, heureux, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe ici, puisqu'il y a une énergie positive, fantastique, qui est là pour défendre en quelque sorte nos biens communs qui nous permettent de vivre. Car nous ne sommes pas, en tant qu'êtres humains, les seuls habitants de cette vallée, et donc il faut absolument que l'on défende l'habitabilité de la Maurienne, parce que ce projet met à mal l'habitabilité de cette vallée, mais pas seulement de cette vallée, de toute en fait la France, de l'Italie et de l'Europe. Il faut absolument qu'on amène un autre... Bonjour à tous. Alors moi, je représente la coordination des opposants, contre le Lyon-Turin qui se bat depuis plus de 10 ans contre ce projet. Alors nous nous battons parce qu'en réalité, il y a une ligne qui existe. Une ligne qui existe, qui a été rénovée à plus d'un milliard d'euros dans les années 2000. Et cette ligne, malgré les travaux qui ont été faits, eh bien, le transport fret a été diminué par 5. Donc en fin de compte, on ne demande pas grand-chose, on demande simplement à revenir à la circulation qui existait dans les années 2000. Avec les travaux, on ne demande même pas à faire mieux, on demande juste de revenir dans les années 2000 à la quantité de marchandises qui circulaient. Donc, et on trouve donc non, absolument pas légitime de détruire des terres agricoles, de détruire des zones humides, de détruire la forêt, de détruire nos sources en eau. Donc on ne trouve absolument pas légitime. Et par contre, notre combat, il est légitime parce que nous sommes là pour sauvegarder justement notre planète, les ressources que nous avons. Voilà. Comme co-porte-parole, je rajouterai juste une chose. Les personnes qui sont ici, et je le dis également comme organisateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte, les personnes qui sont ici sont des lanceurs d'alerte. Ils ont alerté la Commission nationale de recueil d'alerte sur les risques pour l'eau avec le creusement de ce tunnel. La Commission nationale indépendante d'alerte a demandé au gouvernement, a demandé au ministre que soient instruites ces alertes qu'ils ont qualifiées d'alerte. Les ministres n'ont pas répondu, les préfets n'ont pas répondu. Finalement, les interdictions du préfet de manifestation visent les manifestations de la vérité. C'est la manifestation de la vérité qu'il a interdite. Bonjour à tous, je représente les citoyens et citoyennes habitants de la Maurienne et aujourd'hui on a la chance de pouvoir s'exprimer sur ce terrain
pour annoncer que le Lyon-Turin doit se terminer. Les... Pardon ? Plus fort ? Ah bah non, attends. Ah ok. Oh. Ok, donc les Mauriennais, Mauriennaises ont aujourd'hui la chance de s'exprimer. C'est-à-dire être là, debout, pour dénoncer ce projet, pour leur demander d'arrêter, de demander aux élus qui sont, eux, pro et pour le Lyon-Turin, de considérer que ce que les autres savent, les experts, et ce que nous savons sur la destruction de la biodiversité, sur la destruction des ressources en eau, ce n'est pas une question uniquement d'élus. Les citoyens ont aussi le pouvoir et ont le devoir de protéger l'environnement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis italien et je suis notave. Je commence par dire qu'on est très content de cette mobilisation qui a été à Paris difficile à tenir et qui est déjà une réussite. On n'a jamais autant parlé de TAV à nouveau en France, de redoublement de cette ligne alors qu'il y en a une qui est sous-exploitée juste à côté. Un dossier qui avait l'air clos depuis 10 ans, voire plus, est à nouveau ouvert. Et donc, c'est déjà quelque chose de très important pour nous. Nous avons pu collaborer entre deux vallées qui sont voisines et montrer en concret qu'est-ce que ça veut dire construire une Europe solidaire au-delà des blablabla des différents politiciens qui se remplissent la bouche avec ce genre de rhétorique qui est complètement vide. Je tiens à vous dire aussi qu'on fait le constat que les promoteurs de cette œuvre, de ces grands travaux dévastateurs, peuvent se rencontrer comme ils veulent, à nos frais, en mangeant des tartines et en buvant du champagne, alors que les opposants, quant à eux, ne peuvent pas visiblement manifester leur mécontentement. Les habitants de la vallée sont empêchés de s'opposer à cet ouvrage pharaonique qui va mettre en péril les générations à venir. En ce moment même, la gendarmerie a arrêté les 6 cars qui étaient venus de Val-de-Suze, les 6 cars qui venaient de Val-de-Suze et de Turin. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, il s'agit d'une intimidation inacceptable. À nouveau, on se remplit beaucoup la bouche de coopération internationale et d'Europe, et c'est ici qu'on est en train de le faire, dans la lutte commune, en construisant un avenir meilleur, et ils sont en train de tout essayer pour nous en empêcher. Alors, nous sommes convaincus que ça sera une grande manifestation. Nous sommes bien confiants que les autres Italiens qui sont ici pourront arriver. Nous ne laisserons pas nous intimider par les différentes opérations qui ont déjà été faites hier avec plusieurs personnes arrêtées, des fouilles abusives, des photos prises en obligeant les gens à tenir leur drapeau notable pour montrer le danger public qu'ils sont censés représenter. C'est ici qu'il y a l'avenir et non pas dans un projet mortifère et complètement dépassé par l'histoire. Bravo! C'est bon, ouais. Julien Troca, secrétaire fédéral Sudrail. Tout d'abord, on souhaite dénoncer la décision politique qui a été prise par le préfet qui a interdit toute possibilité d'expression et de contestation du projet. Évidemment, on fait le lien avec ce qui s'est passé pendant la contre-réforme des retraites où on a un pouvoir en place qui, toute opposition, qui, toute alternative, tout débat démocratique a voulu l'interdire par la force et la violence. On dénonce la terreur qui a été mise en Maurienne durant ce week-end où on a voulu monter une population contre juste des citoyens et des citoyennes, des syndicalistes, des membres de collectifs qui voulaient juste proposer des alternatives. Si la Fédération Sudrail est présente dans cette coordination, c'est évidemment, on est pour des alternatives tout de suite. Il nous semble qu'il est temps de sortir des déclarations d'intention et d'entamer un bouleversement des fondamentaux de notre économie. C'est un report modal ferroviaire tout de suite,
Et ce qu'on souhaite exprimer aujourd'hui, avec cette mobilisation populaire, cette mobilisation internationale, c'est tout de suite et maintenant que nous devons remettre des marchandises sur les rails. Nous avons des propositions crédibles sur le ferroviaire en améliorant l'existant. Nous sommes en capacité, les cheminots et les cheminotes de la vallée de la Maurienne, les cheminots et les cheminotes de toute la France, de remettre des marchandises tout de suite et de ne pas attendre 20 ans pour le faire. Pour nous, pour la Fédération Sudrail, ce projet Lyon-Turin est un projet contre les cheminots et les cheminotes et contre le service public ferroviaire. Je ferai un exemple. À cause du Lyon-Turin, pour celles et ceux qui connaissent, ils vont détruire, tel TL SNCF Réseau, une gare de triage de 40 voies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en pleine crise écologique, on est en train de détruire dans une vallée de la Maurienne une gare triage qui permet de faire du report modal. Pour finir, le Lyon-Turin pour la Fédération Sudrail et l'Union syndicale solidaire, c'est ce symbole de ce système qui refuse de préserver leur environnement et les territoires toujours plus pour plus de capitalistes. Nous sommes fiers de participer à cette mobilisation internationale et de transformation sociale. La gendarmerie participe aussi à la conférence de presse. J'attends qu'il passe. Bon. Pour l'ensemble des gens qui sont face à nous, je reprécise la séquence sur laquelle on est. On est sur une conférence de presse. À l'issue de cette conférence de presse, il y a une prise de parole qui sera différente et qui aura d'autres objectifs et qui sera particulièrement destinée à tous ceux qui sont sur le camp en tant que manifestants. Bon, je vais commencer, ça va durer toute la journée comme ça. Donc, déjà, c'est une victoire d'être ici, et je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés ici, tous ceux qui nous ont aidés tout au bout de la Maurienne, tout en haut, à Bramant, ou tout en bas, ou partout dans le département et dans toute la France, parce qu'arriver ici, ça a été très 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 difficile. On a eu affaire à ce que moi j'appelle une mafia, la mafia Telt. La mafia Telt, elle nous a mis des bâtons dans les roues à travers tous les élus, à travers la préfecture, à travers la gendarmerie. Tout est fait pour nous priver de venir ici, et quand même on est des milliers, et ça c'est une grande victoire. Bravo. Je voudrais remercier aussi les gens localement qui nous acceptent sur leur territoire. C'est pas facile pour eux, on leur perturbe dans leur tranquillité, mais je les remercie aussi parce que ça se passe plutôt bien avec les habitants du coin. Voilà. Pour être ici, on a tout fait. On s'est défendu devant les tribunaux pour avoir l'autorisation de manifester. On l'a pas eu. Mais la liberté de manifester, la liberté d'expression, elle se fait aussi. Elle se fait pas que dans les tribunaux. Elle se fait aussi sur le terrain. Et c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Pour la Confédération paysanne plus particulièrement, nous, ce qui nous concerne dans cette lutte, c'est l'usage des terres agricoles et naturelles. Elles vont ensemble, les terres agricoles, naturelles et agricoles sont indissociables, et il faut qu'elles fonctionnent ensemble. Le projet, rien que sur la Savoie, d'après les chiffres de la Chambre d'agriculture, c'est 900 hectares de terres agricoles. Ce type d'infrastructure, ils utilisent principalement les terres arables où l'on pourrait produire des céréales, des protéages du nœud, tout ce qu'on ne produit pas en ce moment sur notre territoire, parce qu'on a plutôt une vocation d'un territoire à vocation laitière, à vocation d'élevage. Donc si on veut renforcer l'autonomie alimentaire, la résilience alimentaire de notre territoire,
tous les terrains arables, il faut les préserver. Et puis après, il faut qu'on s'oriente sur des choix de production qui satisfassent davantage les besoins directs des citoyens du département. Et enfin, quand j'entends les chiffres annoncés sur le bilan carbone neutre annoncé par 8 ans pour les pro-Lyon-Turin, et nous, nos chiffres c'est 25 à 50 ans suivant comment on compte, eux, on peut dire qu'on ne peut pas leur faire confiance sur les chiffres, parce que quand ils ont présenté le projet, ils disaient Paris Milan en 4 heures. Tout le monde s'est aperçu, ça a été dénoncé que c'était faux. Donc le retour carbone sur 8 ans, on sait que c'est faux. Et si tout le monde fait des projets écologiques avec des émissions de gaz à effet de serre qui seront neutralisées à 8 ans ou 25 ans ou 50 ans après la fin des travaux, c'est-à-dire en 2050 peut-être, on sera tous grillés par le réchauffement climatique. J'ai terminé.